الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد شكرا لسير الحمد لله L'usage de compter les temps à partir d'une heure en prenant un événement essentiel et très connu et répandu chez les communautés. Chaque peuple prit comme point de départ d'une heure quelques événements importants qui est survenu parmi eux. C'est pour cela que nous avons plusieurs calendriers. Et le plus célèbre, c'est le calendrier de l'ère chrétienne, qui commence par la naissance du prophète Isa alayhi salam. Et les Mécois, eux aussi, ils avaient un calendrier qui prend comme référence l'événement de l'éléphant, dans lequel Dieu sauva sa maison sacrée contre Abraham al-Habash. Et c'est seulement sous règne de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, que le calendrier musulman de l'ère musulmane fut complètement établi et définitivement établi à partir de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. De la Mecque vers Médine. Et ça, c'est un grand événement dans lequel Omar a adopté une méthode qui est très importante de le souligner, qu'on appelle Ashura. Ce qui nous amène à mettre accent sur certains points qui veut dire que le calendrier islamique est un élément essentiel dans notre vie, car ça fait partie de notre histoire. Il est incombe à chacun de nous alors de se familiariser à ce calendrier, de le connaître et de le maîtriser. Et ça, c'est très important. Il est important car certaines pratiques religieuses sont basées sur la maîtrise parfaite de ce calendrier. Je peux citer trois des cinq piliers de l'islam. Par exemple, As-Sawm, Sawm Ramadan. On gère le Ramadan à la vue de la lune. Donc le premier jour du mois de Ramadan, pour le définir exactement, il faut maîtriser ce calendrier car c'est un calendrier lunaire. Et arrivent alors certains gènes aussi surrogatoires comme Ayyam al-Bid, les jours blancs. Le 13e, 14e et 15e jour de chaque mois, il est important de les gêner. Comment tu peux les définir si tu n'es pas familiarisé, tu ne connais pas le calendrier islamique? Pas plus loin, le jour de Ashura que nous venons de gêner, qui efface une année de péché. Comment on peut les définir si on ne connaît pas le calendrier islamique? Et aussi le jour de Arafat. Donc c'est très important, il est important, il est essentiel dans notre vie culturelle. Et aussi, il est important concernant Hajj,
Al-Hajj, Ashhurum Ma'lumat. Le pèlerinage est lieu durant des mois bien précis. Le 8e de Zulhijja, les gens vont à Mina. Le 9e de Zulhijja, ils vont à Arafat. Le 10e, c'est la fête. Comment on peut le définir si on ne connaît pas, on n'est pas conscient du début du mois. Donc, il est très important. Il est important aussi pour la zakat. Pour la zakat, il y a beaucoup de gens qui font des erreurs concernant la zakat. Il établit la zakat à partir des mois solaires. J'entends, je donne ma zakat le 1er janvier ou le 30 janvier. C'est une erreur. C'est une erreur car il doit se référer au mois linéaire. Donc c'est très important de maîtriser ce calendrier afin d'exercer, de pratiquer sa religion librement et convenablement. C'est important. Ce changement aussi dans le calendrier islamique fait partie du bienfait, un bienfait très immense, car ça nous permet d'atteindre l'objectif de l'adoration, c'est d'adorer Allah dans toutes les circonstances et dans toutes les situations. Si le mois de Ramadan était basé sur le calendrier solaire, si c'est janvier, ça sera janvier pour toute la vie, pour l'éternité. Mais c'est parce que ce mois linéaire, on peut trouver un mois de... On peut gêner Ramadan en hiver, comme on peut le faire en automne, comme aussi en l'hiver. Donc ça alterne les quatre saisons. Ça fait partie des bienfaits. Aussi Hajj et aussi Zakat. Quand tu donnes Zakat 1er janvier, certainement l'année prochaine, ça va être 19 décembre. L'année après, ça va être 8 décembre. L'année après, certainement, c'est le mois de novembre. Donc tu vois, ça rapproche et c'est avantageux pour le pauvre. Donc c'est très important de se familiariser. Omar, comment il a établi le calendrier islamique? Abu Moussa al-Ash'ari, kataba ila Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, faqal, ta'tina kutubun, wa qad urriqa ba'aduha fi sha'ban. Fala nadri ayu sha'ban, a sha'ban hadha al-aam, awi as-sana al-madiya. L'un de ses gouverneurs, qui était le gouverneur de Basra, qui est Moussa, Abu Moussa al-Ash'ari, il dit, il nous arrive des lettres venant du croyant, des émirs, des croyants, qui ne sont pas datés, Et nous ne pouvons pas remonter à quelle époque, nous ne pouvons pas dire précisément à quelle époque remonte tes ordres. Comment on peut savoir que l'ordre est récent ou ancien s'ils ne sont pas datés? Pour le savoir, il faudrait les dater. Omar trouva vraiment que c'est une bonne idée. Il rassembla alors les savants, aussi les sages conseillers. Il les consulta. Minhum man qala arriquhu bi mawlid an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ba'dhum qala bi mawt ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. بارهم قال بمبعثه فاستقرت العراق أن يؤرق التاريخ الإسلامي بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. Donc il y a diverses idées. Parmi les idées avancées, prendre, il y en a qui ont émis cette idée de prendre la naissance, la date de naissance du prophète صلى الله عليه وسلم comme événement majeur, comme l'événement majeur de référence du calendrier islamique. D'autres disent la date où Allah l'a suscité prophète, l'a reçu la révélation. C'est l'événement le plus important. D'autres non, c'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Finalement, ils se sont concertés, ils ont trouvé que l'événement majeur, le plus important, c'est l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. D'abord, ce que nous pouvons retenir de cet événement, du comportement d'Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, c'est la méthode qu'il a adoptée en définissant le calendrier islamique qu'on appelle Shura. Et ce Shura, c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la gestion des affaires publiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam consultait même à propos de ses propres affaires. Et c'était un ordre divin.
Imaginez-vous, si une personne peut vraiment se suffire de ses propres idées sans avoir besoin d'autrui, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah l'ordonna de consulter des sahaba dans une situation difficile, dans une circonstance très difficile. Je parle ici de l'expédition de Uhud. Quand il a émis l'idée, l'envie de rester à l'intérieur de Médine et combattre les mécréants qui étaient très nombreux, à peu près 3000, et les combattants des musulmans, 700 à 1000. Mais les jeunes combattants étaient surexcités. Non, il faut sortir. Il ne faut pas les montrer qu'on est peureux. D'autres qui n'ont pas participé à l'expédition de Badr s'y ont poussé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il sait que ce qu'il dit, ce qu'il a comme idée, c'est ce qui est vrai, mais comme la majorité va dans le sens, il les a suivis. Et une fois, dans le champ de bataille, il choisissait 50 archers d'occuper une colline, de ne jamais bouger là, d'abandonner leur position, quoi qu'il arrive. Même si vous le voyez en train de nous tuer un à un, ne quittez jamais, n'abandonnez jamais votre position. Mais malheureusement, ils ont désobéi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils abandonnèrent leur position et les conséquences furent très graves. Dans une situation pareille, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous, l'un de nous à sa place va dire non, ça ne sert à rien de consulter ces gens-là. Non. C'est en ce moment précis que l'ordre divine est arrivé, révélé, demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam de consulter ses compagnons. Il est très haut dit, c'est par quelques miséricordes d'Allah que tu as été si doux envers eux. Si tu étais rude, le cœur dur, ce serait enfui de ton entourage. Tu les pardonnes et tu implores le pardon d'Allah pour eux. Pas seulement pardonner, mais implorer le pardon d'Allah pour eux et consulte-les à propos des affaires. Et Omar l'a compris. C'est pour cela qu'il adoptait cette méthode dans la gestion des affaires d'État, des publics. Et ça, on le voit aussi dans notre Shura, dans un verset qui porte même le nom, chapitre, Dieu le Très-Haut a dit que ceux qui profiteront vraiment de sa grâce, de sa miséricorde, c'est ceux qui se concertent. Al-Lazina, يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون dans ce verset coranique de l'Éternel vous dit il parle des gens qui vont profiter de la grâce d'Allah dans l'au-delà de sa miséricorde d'Allah dans l'au-delà qui sont ceux vraiment qui évitent qui s'éloignent des grands péchés et des turpitudes, qui pardonnent après avoir se mis en colère. Quand ils sont en colère, ils se pardonnent, ils se maîtrisent, et qui répondent à l'appel d'Allah, et qui se concertent à propos de leurs affaires, se concertent. Et Omar ibn Khattab dit, « Al-ra'y al-mufrad kal-khaytu al-sahih, wa ra'yan kal-khaytan al-mubraman, wa thalath ara' Il dit que l'avis d'une personne, c'est comme un fil très fin. L'avis de deux personnes, c'est comme deux fils noués ensemble. L'avis de plusieurs personnes, il dit non, c'est une corde solide qui ne se coupe pas. Donc lui, il a adopté ceci. Donc c'est des enseignements qu'on doit vraiment tirer de cet événement. Pourquoi ils ont adopté? Ils ont pris l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine comme événement majeur, pas sa naissance, pas sa mort, pas la date aussi où Allah l'a suscité prophète. C'est très important que Dieu nous a créé qu'on adore Allah. L'islam, ce n'est pas un culte personnel, c'est une licité.
Et il n'y a pas un événement qui a été un tournant majeur dans la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que l'immigration de la Mecque vers Médine. Car c'est à ce moment que les musulmans ont pu vraiment adorer Allah en toute liberté, en toute tranquillité, en toute quiétude. C'est en ce moment précis. Et la raison est que même la révélation a changé. Avant, c'était pour l'unicité. Donc, on commence à révéler les législations, les obligations, les hajj, le saum, le zakat. Beaucoup de choses ont commencé. La fraternité a commencé. On voit vraiment un État indépendant. On voit les musulmans réunis ensemble. Cela était possible grâce à Allah à travers l'immigration. Et ça, quand tu regardes même le verset coranique qui nous parle de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Quand tu médites ce verset, tu comprendras les retombées ou l'effet de l'immigration du professeur de la salle de Médine avec quelqu'un qui fuit, qui se cache, qu'on tente de chasser, qu'on a mis sa tête à prix. Dieu parle de la victoire éclatante. Il parle de son secours. Si vous ne le secourez pas, Allah lui a accordé déjà son secours quand il était l'un des deux dans la grotte. Dans la grotte. C'est le secours d'Allah. Il lui a donné des armées. Les soldats que vous ne voyez pas sont des anges. Et il a abaissé la parole de mécréants, la parole d'Allah, puis dessus. Ça, c'est l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'immigration, dans le sens large, c'est vraiment c'est de fuir vers Allah. Et la religion tout entière n'est que ça. « En tahjura al-ma'asi ila al-ta'at » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. Il dit le croyant, le soumis, quand on est un musulman, c'est le soumis, celui dont les gens sont à l'abri de l'air de ses méfaits, les méfaits de sa langue et ses mains. Et muhajir, quand on dit muhajir en arabe, ça veut dire celui qui a abandonné une chose vers une chose. Ce n'est pas celui qui a abandonné un lieu vers un lieu, non. C'est lui qui a abandonné les péchés vers l'obéissance d'Allah. C'est pour cela qu'on a hijratul abdan, on a hijratul qulub. S'ils ne sont pas ensemble, ça ne donne pas effet. Et c'est pour cela qu'on voit ce fameux hadith du Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, innama qal, innama al-a'amal bin niyat, wa innama li kulli imrin ma nawa. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. Dans ce hadith que Omar a rapporté, que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, les actes ne valent que par les intentions. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Chacun n'aura que qui a l'intention de faire. Quand tu accomplis une œuvre, quelle est l'intention derrière? Celui qui a émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cherchant la face d'Allah, cherchant l'agrément d'Allah, pour être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son immigration sera composée étant pour Allah et pour son message. Mais s'il a fait pour un bien de ce bas monde ou pour épouser une femme, ce sera aussi pour ça. Donc c'est pour te dire que l'immigration, c'est l'abandon. Et ça, il est constant. Il est constant et ça ne finit jamais. L'immigration dans ce sens-là. Car quand tu dis dans un hadith que la hijrata ba'da al-yawm, il y en a qui disent que ça parle de Mac ou d'autres choses, mais en tout cas, l'immigration dans ce sens-là, ça continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « La tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'u al-tawba »« Wa la tanqati'u al-tawba hatta takhruju al-shamsu min maghribiha » Il dit que l'immigration ne cessera, non, ne se trompera que si le repentir n'est plus valable, ne sera plus valable. Et le repentir et hijra sont du même sens quand tu regardes. Car le repentir, c'est d'abandonner le péché et se repentir, revenir vers Allah. Inni zahirun ila rabbi sayahdi.
celui qui est le champion de l'immigration, Abraham, qui l'a commencé, il dit, je pars vers mon Seigneur, celui qui me guide. Donc, c'est très important que le sens de l'immigration, de l'appréhender, est très important, que c'est d'abandonner complètement les péchés vers l'agrément d'Allah, vers la grâce d'Allah, vers l'obéissance d'Allah. Donc, ça ne sert à rien de fêter l'immigration, de parler d'immigration, alors que la personne, ça c'est très important. Et quand on regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué l'immigration, d'abord, ce n'est pas pour Omar, radiallahu anhu, wa arda, a choisi cet événement comme un événement majeur, qui est l'événement le plus majeur, le plus important de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de l'islam. On voit bien que l'immigration, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu effectuer l'immigration, il prépara d'abord psychologiquement à Sahab, psychologiquement. Et ça, dans un rêve qu'il a vu. Inni ra'aytu fil manam anni uhajir min Makkata ila al-Madina ou ila ardin biha nakhl. Fadhahab wahali anna hal yamama ou hajar. Faidha hiya yathrib al-Madina. Ou comme a parlé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, j'ai vu dans mes rêves entendant émigrer de la Mecque vers Médine pour s'installer définitivement dans une terre là où il y a des palmeraies. J'ai cru avant que c'est Yamama ou Hajar, mais à ma grande surprise, j'ai su par la suite que c'est Médine. Dès lors, psychologiquement, les Sahaba sont préparés, ils sont prêts. Ils commencent alors d'immigrer individuellement, petit groupe, pour déjouer la vigilance des mécréants. C'est comme ça a commencé. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prépara le terrain. Comment il a préparé le terrain? Quand les gens viennent pour le pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêta dans les grandes artères et il les appelle, l'invite à l'islam. 12e année ou 11e année, il y avait des Médinois qui étaient venus pour le pèlerinage. Il les parla de l'islam. 6 d'entre eux, Ibn Khazraj, et Itana pour l'islam, ils ont embrassé l'islam. Et ils ont pris l'engagement de faire parler, en parler aux autres. Et évidemment, ils l'ont fait. L'année prochaine, 11e année, on a vu combien de personnes? 12 personnes, y compris 5 des 6 personnes. 5 des 6 personnes, donc il y a 7 personnes nouvelles. Et 7 personnes nouvelles, ce n'est pas seulement pour embrasser l'islam, mais pour prêter l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle Bay'at al-Aqaba al-Oula. Et ça, il faut le méditer. Vraiment, quand tu lis l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu finiras vraiment de comprendre que cette religion vient vraiment d'un sage, d'Allah. Dans cette Bay'at, allégeance, il peut être allégeance qu'on appelle Bay'at al-Nisa, c'est le comportement de ne pas mentir, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas associer, de ne pas tricher. Tout ce qui est comportement, akhlaq islamia. Ça, c'est très important. Ça commence par ça. Et ça, si on nous met le ton là-dessus, pour appeler les gens à l'islam, ça commence d'abord par le bon comportement, comme les gens là ont fait. Et par cause, 12 personnes. Dans une année après, ils sont venus avec 73 personnes. 73 personnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les gens là retournaient, il envoya avec eux Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr pour les enseigner l'islam, pour être le premier ambassadeur de l'islam, pour familiariser les gens, pour appeler les gens de Médine, c'est-à-dire préparer le terrain. Et il a reçu grandement. Quand il a pu convertir vraiment les deux grands chefs, les chefs des deux grands tribaux à l'islam. Donc ce sont 13 personnes qui sont venues. Leur allégeance est différente de la première allégeance. Cette fois-ci, c'est prendre un engagement ferme de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quoi qu'il arrive, et de recevoir les musulmans à Médine et de les aider à s'installer. Et quand tu regardes la parole, le serment
Al-Abbas, Amr Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme il s'est tenu. Vraiment, tu milites là-dessus, tu comprendras. Et quand ces gens-là sont partis, maintenant, le terrain est prêt. Psychologiquement, les gens sont prêts, le terrain aussi est prêt pour partir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il a voulu maintenant émigrer, ça trouva que les mécréants ont déjà comploté. Cette fois-ci, il faut en finir avec. Il faut vraiment en tenter à sa vie, c'est-à-dire le tuer, le supprimer complètement. Et comment le faire? Il mobilisa, désigna une personne de chaque tribu, de le tuer ensemble. Une fois que cela se fait, le sang se répandra entre les tribus et Bani Hashim ne peut pas combattre toutes ces tribus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informé, il est parti voir Abubakar radiallahu anhu et sa voilée. Et Aïcha radiallahu anha nous rapporte, nous explique cet événement. Il dit, le messager d'Allah est venu nous voir dans un moment où il n'avait pas l'habitude de nous rendre visite. Et Abubakar a dit, il n'est venu que pour une affaire très grave. Et pour te dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était constant dans ses affaires. S'il te visite, telle heure, tel moment, sache que qu'il te visitera que tant le futur, que ce moment précis. Et ça, c'est très important. De nos jours, tu vois les gens, ils débarquent chez toi. Nous sommes des musulmans, nous sommes des frères, ça ne se fait pas dans l'islam. Avant d'aller chez quelqu'un, il faut l'aviser. Il faut prendre le rendez-vous. Ça fait partie de l'islam, c'est un règle islamique. Et le professeur a procédé ainsi. Et quand il est venu, il demanda à Wakar de faire sortir tout le monde de la salle. Il dit, ils sont qui étaient ta famille. Il dit, on m'a donné l'ordre d'autorisation d'immigrer. Il dit, As-Sohbat ya Rasulallah. As-Sohbat ya Rasulallah. Il dit, je voulais être à ta compagnie. Je voulais être à ta compagnie. Il dit, oui. Et Abubakar, il dit, j'ai déjà préparé pour cette cause deux chameaux que j'ai bien dressés. Voici un franc. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, non, seulement contre son prix. Seulement contre son prix. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين كريشر فرد اسير nous allons tirer des leçons de cet événement essentiel que nous ne pouvons pas cerner tout. La première chose, le premier point, ou d'autres points que nous pouvons vraiment retenir, c'est l'importance de l'amitié dans la vie de l'être humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu effectuer ce voyage qui est en compagnie d'un ami. Ce n'est pas n'importe quel ami. Abubakar est champion de la fidélité de tous les temps. Aucune amitié n'est égale à l'amitié d'Abubakar. La fidélité d'Abubakar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, selon Saïd al-Khudri, قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبينما عند الله فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر فعجبنا له أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله خير رجل عبدا بين الدنيا وبينما عنده فيبكي أبو بكر فكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أعلم بمعنى. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour tira un sermon et dit Dieu a donné le choix à un de ses serviteurs de choisir entre ce bas monde, séjour dans ce bas monde, ou choisir ce qui est auprès d'Allah. Ce serviteur a choisi ce qui est auprès d'Allah. Abubakar pleura alors. On était étonné. Comment il peut pleurer pour ça? Mais il a bien compris que la personne qui lui a donné le choix, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le choix, c'est d'être le séjour dans ce bas-monde ou vraiment aller dans l'au-delà, être auprès d'Allah. Donc ça veut dire que tôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous allons le quitter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, « Inna amani nas fi suhbati ou fi malihi Abubakar. » Il dit, la personne qui a été le plus généreux envers moi, dans sa compagnie et dans ses biens, c'est Abubakar. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابو بكر خليلا ولكن قلة الاسلام مودته دي سي جي ديفي براند ان امي انتيم ça serait ابو بكر. Donc pour te dire combien de fois cette amitié était grande et ابو بكر cette amitié le garda. Et dit dans un autre hadith, dit ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت له كبوه
إلا أبا بكر فما عتم منه عنه وما تردد فيه. Il dit, chaque fois que j'invite une personne à l'islam, il hésite, tâtonne un peu. Il n'y en a pas. Tout. Sauf qui? Sauf Abou Bakr. Quand je l'ai appelé, il n'a pas hésité un instant. C'est pour cela qu'on l'a le surnommé As-Siddiq. As-Siddiq. Et ça, c'est très important. Et le meilleur compagnon de l'homme, c'est sa femme. J'aimerais vraiment mettre l'accent là-dessus parce que du moins dans un monde, et ça, c'est très important, car Dieu est très haut. La personne qu'il a choisie pour Adam, c'est sa femme. Et on voit très bien que Ibrahim, alayhi salam, son frère Lut, bien sûr, mais c'est Sarah et Hagar qui étaient vraiment les meilleurs compagnons d'Abraham. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, meilleur compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aide du prophète, reste alors. Et ça, incontestablement, Khadija, alayhi salam, radiallahu anha. C'est Khadija qui est la meilleure aide. Soutien du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fut alors la première personne qui embrassa l'islam. Aïcha nous parle de l'importance de Khadija. Il dit, il n'y a pas une femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai eu jalousie envers elle plus que Khadija. Chaque fois que, parce que le prophète le mentionnait souvent. Et je dis, ma kanat illa ajouzan fa abdalakallah khayra minha. Qala wallah, ma abdalakallah khayra minha. فقد صدقتني هنا كذبني الناس ني الناس وآمن بي هنا كفر الناس وواستني بمالها هنا حرمني الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة يا يديزي كي لو صلى الله عليه وسلم invoqué souvent Khadija. Il parlait de ses biens et j'étais jaloux. Il dit ce n'était qu'une femme qui avait des gencives rouges. Il est parti et Dieu t'a donné meilleure femme qu'elle. Il dit non, jamais. Dieu ne m'a pas donné meilleure femme qu'elle. Car il a cru en moi quand les gens me traitaient de menteur. Et il m'a soutenu par ses biens. Et ça, c'est ça. Quand, si tu vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu se réfugier dans les grottes, rester longtemps là-bas, c'est grâce vraiment au soutien de Khadija. Et pour finir certains éléments, et ça c'est très important, c'est un événement majeur qu'il est difficile vraiment de cerner. On voit ici un élément essentiel qui nous manque de nos jours, ittikhad al-asbab, entreprendre les moyens pour atteindre son objectif. At-tawakkul ala Allah, placer sa confiance à Allah est très important. Voilà qu'il a une affaire. Cela vraiment n'est pas en contradiction de prendre les mesures qu'il faut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une planification excellente. C'est quand tu regardes comment il a préparé psychologiquement les musulmans. Et comment les premières personnes qui sont venues, vraiment, il les a appelées à l'islam. Comment eux, ils ont œuvré. Comment il a envoyé un émissaire pour appeler les gens à l'islam. Et comment il a conclu le pacte avec eux. Et le jour où il doit immigrer, comment il est venu voilé, caché. Et quand il était prêt à partir, chacun devait jouer un rôle. D'abord, il y avait un guide chevronné, très réputé, qui n'était pas musulman pour déjouer complètement, tromper la vigilance des mécréants. Ce n'était pas un musulman qui l'a pris, non. Il a pris un mécréant, un politiste qui l'a pris. C'est lui qui était son guide. Et le rendez-vous était quoi? Sortir de la Mecque jusqu'à 1 km de marche de la Mecque, une heure de marche de la Mecque, dans une grotte. Ils vont stationner là-bas, rester là-bas pendant trois jours. Et rendez-vous, troisième jour, cette personne va venir avec les deux chameaux. Quand ils ont quitté, ils ont demandé à Amr ibn Fuhayra de partir avec ses troupeaux pour effacer les traces de leurs pieds. Et beaucoup de choses. Donc il a vraiment pris les précautions qu'il faut. Et ça c'est très important. Car j'ai lu une intervention d'un converti allemand. Il dit la force des musulmans, c'était la confiance en Allah. At-tawakkul ala Allah. La confiance en Allah. Si ça a aidé la première génération, ça n'a pas vraiment été le cas pour la deuxième génération. La première génération a compris, a placé sa confiance en Allah. Ils ont entrepris tous les dangers en mettant leur confiance en Allah, qu'Allah va les sauver. Ils se mettent dans la mer, dans tous les dangers. Ils ont entrepris tous les dangers, tous les risques. Dieu va le protéger.
Et de la deuxième génération, ils sont assis chez eux et Dieu va nous amener la chose. Ça, c'est très important. Car refuser de prendre, d'entreprendre les mesures comme il faut, on dit « Tarok al-akhz bil-asbab qadhum fi sharia » « Mahawul asbab ayakuna sababan naqsum fil aql » Wal iltifat kulliyan ila al asbab shirk. Si la personne croit que les mesures entreprises, cause et effet, c'est-à-dire ce qu'il a pris comme cause, celui qui a aidé à accomplir cet effet, seulement ça, et que Allah n'a rien à voir avec ça, c'est un shirk. C'est un shirk. S'il nie cause et effet, l'effet de cause sur l'effet, c'est un manquement dans la raison. Donc, un homme sensé ne peut pas dire ça. S'il le reconnaît de ne pas le faire, il a désobéi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il a toujours entrepris les mesures qu'il faut. Et ça, on le voit quand on dit qu'aujourd'hui c'est notre fierté, ce mois-là est notre fierté, et que le calendrier est notre fierté, malheureusement il y a Halloween. Beaucoup de nos enfants, ils connaissent mieux ça que le calendrier. Alors que ça fait partie de notre fierté. Ça fait partie aussi d'une chose, des moyens pour accomplir sainement, convenablement, la religion. Donc c'est très important d'en parler. L'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux enfants. Et là, de parler aussi que Halloween, la source, ou la cause derrière, la raison derrière, vraiment, c'est la mécréance. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullah ar-rahim, wa lam yidina fima hadith, wa afina fima afi, wa tawallana fima tawalli, wa bariklana fima ati, wa sri wa anna su'a ma qadid, innaka taqdi wa la yuqadha alik, wa lamma la yidhi bima hadith, wa la yidhi bima adid, dhirka al-khayr kullu ya rabbi ar-rahim, wa lamma aqsimana min khashyatika. ما تحول به بين المعاصي من طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا متئنا باسمائنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يغفر فينا يا رب ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب العالمين إلا ما يفرير parmi nous qui a perdu son père وصلى الله عليه يغفر له ويرحمه ويكرم ويكرم نزله ويوسع له قبره إن شاء الله نوصي بدي ورمان الحمد لله bientôt je vais voyager pour l'Amérique pour deux semaines donc je vous demande vraiment de prier pour moi et je vous dis aussi pour prier pour Dieu pour la pour mes salades Donc nous amis, nous allons passer, Inch'Allah, de l'autre côté, on a commencé à rénover, et c'est important, on va vraiment l'utiliser, c'est ça. On vous demande